you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles, bah écoutez, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo FAQ, donc foire aux questions. Je vous ai posé sur Instagram et sur YouTube des questions. Enfin non, je vous ai pas posé des questions en fait. Je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube donc de me poser vos questions auxquelles je vais répondre tout de suite. Donc, comment arrives-tu à gérer ta vie de maman, de travail et ton travail de youtubeuse ? Donc, le travail de youtubeuse, quand je peux, je filme la nuit. Hugo, je filme quand il fait la sieste. À l'heure actuelle, j'arrive à ne pas toujours me déplacer au dépôt vente. Donc, j'ai encore du temps pour filmer. Je n'ai pas de travail, entre guillemets, fixe, mis à part ma société. Donc, du coup, ça me laisse vraiment des plages de tournage assez et de montage assez impressionnantes. Notamment le soir, en fait, Sébastien il fait la gueule parce que je fais que du montage quasi, donc bon. Donc ça c'était MRFI72. Je te fais d'énormes bisous aussi ma belle et un grand merci de répondre à mes coms. Donc moi, je suis ravie de répondre à tes coms ma chérie. Voilà. Alors Loulou de Stras qui me dit coucou, allez je me lance pour les questions. Qu'est-ce qui a le plus changé en toi depuis que tu es maman? Je ne pense plus qu'à moi-même. Avant, je pensais beaucoup à moi-même. Maintenant, je pense avant tout à mon fils. Quel est ton plus grand rêve ? J'en ai déjà parlé, c'est de travailler, d'avoir un poste à responsabilité dans la société L'Oréal. Donc, que ce soit dans la branche Urban Decay qui vient d'être achetée ou que ce soit même en tant que youtubeuse, hein, si je peux être égérie vraie femme. Vous comprenez l'égérie vraie femme, ce que ça veut dire ? Genre, pas les mannequins qui pèsent 34 kilos. Hein. Donc voilà, ouais, ce serait mon grand rêve. Quel est selon toi le plus grand fashion faux pas en make-up ? Le plus grand fashion faux pas, à la limite, tout est possible, sauf la démarcation ici, en fait, du fond de teint. Je pense que ça, c'est un des pires qu'on peut avoir. De tous tes achats AliExpress, quel est celui que tu préfères ? Celui que je préfère, que j'utilise souvent, de mes achats AliExpress. Un gros coup de cœur. Je dirais la nouvelle palette de Kat Von D que j'ai eue sur AliExpress. Donc la Shade of Light pour les yeux. Qui est à l'heure actuelle celle auquel je pense là tout de suite maintenant. Parce que c'est vraiment une pure bombe. Voilà. Celui qui t'a le plus déçu. Celui qui m'a le plus déçu. Celui qui m'a le plus déçu. Bah, mis à part ceux que tu ne reçois jamais, je pense que celui qui m'a le plus déçu, c'est un des Gloss Nyx que je viens d'acheter, qui est en fait censé être mat. Excusez-moi, mais j'ai mal au dos, donc du coup, je. Des fois, et je vais bouger dans tous les sens. Non, un des Gloss Nyx qui en fait est censé être mat mais qui ne l'est pas. Voilà, et puis peut-être les perches à selfie qu'on achète tout le temps et puis qu'en fait ils fonctionnent jamais. Donc voilà. Voilà, merci pour tes réponses et bravo pour tes vidéos. Bisous. Merci ma louloute, je t'embrasse bien fort et je t'adore. Et ensuite, je passe, donc ça, c'était les deux questions que j'ai eues sur Instagram. Vous n'avez pas été nombreuses à me poser des questions sur Instagram. Donc maintenant, je vais basculer sur la vidéo YouTube. Et on va voir ensemble ce que vous m'avez posé comme question. Alors, sur YouTube, on a dit qu'on passait aux commentaires, questions. Donc, Sister and Sister, et elle me demande, as-tu un travail en dehors de YouTube ? Donc, je dirais officiellement non, je n'ai pas de fiche de paye à la fin du mois. J'ai juste des dividendes en fin d'année que je peux récupérer parce que je suis sociétaire en fait dans une SAS, mais c'est tout. Sinon, oui, je suis à la recherche active d'un travail, si c'était ta question. Ensuite, Ryan, coucou ma belle, quel est ton âge ? J'ai 30 ans, ton prénom, Ludivine, comment gérer Facebook et la vie de famille ? Donc je pense Facebook, YouTube et la vie de famille. Donc j'ai plus ou moins répondu, je pense que je vous accorde une grande place. Sébastien est très conciliant et mon fils s'en rend pas encore compte,
Donc, je pense que jusqu'à présent, c'est quand j'aurai retravaillé et que je retravaillerai effectivement, je pense qu'il y aura peut-être moins de temps accordé à YouTube, mais pour l'instant, j'ai plein temps pour YouTube. Donc ça, c'est un point positif. Ou ça dépend comment on le voit, mais moi, je pars du principe où quand je partage ma passion, c'est vraiment quelque chose qui m'éclate, quoi. Donc, Emilia Vernier, coucou. Alors, les questions sont, quel âge as-tu? Donc, 30, quel est ton prénom? Es-tu mariée? Non, je ne suis pas mariée. As-tu des enfants? Oui, un, Hugo. Comment as-tu eu l'idée de faire des vidéos YouTube? Alors, à la base, je regardais des vidéos YouTube sur ma tablette, et le Bill, un jour, il m'a même dit, avec ta connexion, là. Tu pourrais le faire aussi, toi, franchement, au lieu de les regarder, hein, me casser la tête avec tout le temps sur ta tablette, hein, tu pourrais les faire, en rigolant qu'il me dit ça. Alors, du coup, je dis, ah, mon gaillard, puisque tu me mets au défi, eh ben, c'est parti. Et en fait, j'ai acheté une petite caméra sur AliExpress qui n'était pas très, très pratique à la base parce qu'elle filmait trop gros plans et tout. Et pour mes 30 ans, je me suis offert une vraie belle caméra. Du coup, je peux vous offrir une qualité HD. Donc voilà, et c'est parti comme ça. Pourquoi une chaîne? Pourquoi une chaîne? Parce que Hugo, je voulais qu'il ait un. Même s'il m'arrive quelque chose demain, je voulais qu'il voie sa mère plus tard, en fait, qu'il y ait toujours des traces de moi et qu'il puisse dire, maman, elle était jolie, elle prenait soin d'elle. Maman, elle était comme ça, elle était rigolote. C'est pour ça que je m'évertue à être vraiment moi-même dans les vidéos et plus que moi-même. Parce que c'est un testament, entre guillemets, que je veux lui léguer et qui, pour moi, est hyper important au cas où, voilà, il nous arrive avec tout ce qu'on voit en ce moment, au cas où il m'arrive quelque chose, qu'il ait la possibilité de voir sa maman, d'avoir des souvenirs de sa maman, un peu des souvenirs par procuration, mais oui, des souvenirs quand même. Ou c'est pour ça que je ne coupe jamais quand, par exemple, une des dernières vidéos où je lui parle, quand il me coupe à la caméra, il y en a qui n'aimeront pas ça, en fait, dans mes vidéos, mais c'est un aspect qui est très important pour moi. Si j'ai fait cette chaîne, c'est pour lui, pour qu'il me voie, pour que vraiment, au cas où il m'arrive quelque chose, qu'il puisse avoir cette empreinte de la manière dont je me comportais avec lui. Et en fait, c'est pour ça que je coupe jamais quand il m'interrompt, que je lui dis que je l'aime, que je lui fais des bisous, etc., etc. Donc voilà, Emilia, je t'adore aussi, ma belle. Je t'envoie des gros bisous. Donc ça, c'était Emilia. Et Sima qui me dit, est-ce que tu as des swaps en cours? Donc non, j'ai pas de swap en cours, étant donné que j'ai plus une thune en ce moment, donc c'est compliqué. Tous les hauls que vous voyez, c'est des choses que j'ai étalées et que je vous ai pas tout filmé d'un coup parce que je me doutais du truc. Et c'est le cercle vicieux en fait de YouTube, c'est que plus on est youtubeuse, plus on est testeuse, plus on achète, plus on en a, moins on en vend parce qu'on veut pas s'en détacher. Enfin, moi je sais que j'ai pas envie de les vendre, mes produits, je les aime de trop. Donc je préfère ouais les échanger par exemple avec des abonnés plutôt qu'avec des youtubeuses parce que je préfère faire des échanges par exemple avec ma petite Marion qui voilà qui m'a fait découvrir un peu les échanges entre abonnés et youtubeuses. Donc oui, pour l'instant pas de swap parce que j'ai pas envie de faire un swap vide tiroir parce que c'est pas la honte parce que moi je suis quelqu'un de très propre mais je me dis qu'une youtubeuse, elle mérite quand même mieux que des choses que t'as pas aimées, que tu lui refourgues en fait. Donc bon. Mon âge, bon, je l'ai dit, 30 ans. Bonne continuation. Merci beaucoup. Je t'envoie plein d'énormes bisous. Ensuite, Carner Sobrino. Comptes-tu faire un meet-up ou au moins une rencontre avec tes abonnés? Donc sachez que les rencontres, il suffit que vous m'en fassiez la demande sur Reims et je pense pouvoir être disponible. Comme je l'ai fait avec Marion à Chalon, je montais un jour à Chalon et en fait on s'est rencontrés. Donc on a parlé via YouTube à la base. Hein. Donc voilà, je pense que oui, je suis assez disponible. Je suis pas encore une de ces youtubeuses qui a assez d'abonnés pour faire un meet-up, honnêtement. Je vous avoue que ce sera pas certainement possible. Et pourquoi pas un jour, étant donné que moi j'ai l'espace à Mouison, donc dans mon entrepôt. Si vous voulez que j'organise quelque chose à mon entrepôt, un après-midi ou quelque chose comme ça pourrait se faire, mais j'ai vraiment pas assez de YouTube d'abonnés sur la région de Reims et les alentours qui se déplaceraient pour venir voir ma tronche, quoi, en gros. Donc, je sais, moi je vous adore, j'aime bien parler avec vous, mais je pense pas que je sois assez intéressante dans votre vie et assez importante dans votre vie pour que vous fassiez des kilomètres et des kilomètres pour voir ma trogne, tout simplement.
Mais je vous aime, hein, mais c'est pas le problème. Mais je suis qui, moi, pour me dire ouais, je vais faire un meet-up et il y aura trop de monde. Déjà, si vous êtes deux à venir me voir, ce sera déjà bien. Et à ce moment-là, pas besoin d'un meet-up. On se rencontre, on se voit, on prend un café, on mange un croissant, et voilà quoi. Et on s'échange nos mascaras. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que je suis personne, moi. Je suis petite Ludivine, je suis personne. Donc non, pas de meet-up. Peut-être un live, ouais, si vous voulez, un live YouTube, si vous en avez envie. Mais je vais jamais forcer quiconque. Et franchement, voilà, non, je suis pas du genre à faire un meet-up parce que voilà, non, j'ai pas la prétention d'avoir énormément d'importance pour vous. Ensuite, à quand la visite du Loggia? Alors, la visite du Loggia, c'est compliqué. J'ai trop de bazar. Pour l'instant, c'est pas possible. J'ai les jouets du go, j'ai les balais, j'ai... Non, c'est pour moi impossible pour l'instant. Ensuite, ma Didine Makeup Addict que j'adore parce qu'elle me suit vraiment beaucoup et franchement, elle est adorable. Depuis quand es-tu passionnée par le make-up? Depuis l'âge de 5 ans, je brûlais des allumettes pour m'en faire du kohl aux yeux. Donc, chaque fois qu'on était en soirée, les grands, en général, ils prennent les bouchons de champagne et puis ils brûlent. Quand on fumait encore à l'intérieur, je parle, les grands, ils brûlaient des bouchons de champagne pour se marrer le soir. Moi, je les récupérais et je me faisais du fard à paupières avec et les allumettes, je les gardais et je m'en faisais voilà du liner ou... Mais depuis l'âge de 5 ans, as-tu d'autres passions? Ma grosse passion, c'est mon fils. Ensuite, le make-up et ensuite la moto. Mais des grosses, grosses passions, à part ça, pas beaucoup. Penses-tu être une accro au maquillage? Sans nul doute. Qu'as-tu prévu pour les fêtes? Bon, ça c'est un peu perdu parce que c'était il y a longtemps. J'ai juste fait des repas en famille et puis voilà, je suis pas quelqu'un qui a trop d'amis pour faire des fêtes sur des grosses salles, etc. Donc voilà. Quelle est ta marque de supermarché favorite? Franchement, Cora ou Leclerc? Leclerc, j'apprécie beaucoup. Enfin, c'est plus des hyper quoi. As-tu le coin make-up dont tu rêves ou tu souhaites le modifier? Je pense qu'on a toujours envie de modifier, notamment pour ranger, pour que ce soit propre. On a toujours envie de le modifier, pour que ce soit le plus beau possible et le plus rangé possible. Mais après, c'est l'occasion qui fait le larron, je ne vais pas forcément me ruiner pour aménager le coin beauté dont je rêve vraiment. Aimerais-tu avoir une fille comme deuxième enfant pour lui transmettre ta passion? Pourquoi pas? Cependant, je suis sûre qu'un deuxième garçon, parce qu'on souhaite en avoir un deuxième, bien sûr, ça me réjouirait aussi. Je veux dire, je vais pas être frustrée parce que j'ai pas le choix du roi d'avoir les deux enfants de sexe différent. Je veux dire, je serais ravie d'avoir un... Parce que je vois le bonheur que ça a été pour moi d'apprendre que j'avais un garçon. C'est vraiment magnifique. Donc, j'adorerais, oui, bien sûr, avoir une fille. Bien sûr que j'aimerais ça et que j'aurais les deux enfants de sexe opposé qui combleraient ma vie par leur aspect différent, en fait, de personnalité. Mais bon, après, je ne vais pas pleurer si j'en ai pas. Sur quels réseaux sociaux passes-tu plus de temps? Sur YouTube, ouais, réseaux sociaux, YouTube, c'est pas forcément un réseau. Je dirais Instagram. Sans conteste, Instagram. As-tu beaucoup de personnes néfastes qui critiquent sans cesse tes vidéos? Bah ouais, sauf que je les publie pas parce que ça les dissuade en fait. Donc voilà, ça me... Je réponds pas et je passe à autre chose parce que ça va pas m'empêcher de dormir non plus. Aimerais-tu rencontrer certaines de tes abonnées? Ah ouais, mais tout le temps! Mais tout le temps! J'adore quand il y en a une qui me dit « Ouais, je vais sur Menou, Chalon, Reims. » Du coup, on essaye de se caler un rendez-vous et tout. Franchement, même Sephora, j'en ai rencontré certaines. J'en ai vu chez Action. Enfin, voilà, je vous adore. J'adore discuter avec vous et tout. Quel est ton indispensable make-up? Je sais pas. En ce moment, c'est le rouge à lèvres. J'adore le rouge à lèvres. J'adore, voilà. Mais je pense que Un indispensable. Un indispensable. Alors là, tu me poses une colle. Didine, tu me poses une colle. Je dirais le crayon pour
les sourcils. Parce que malgré le fait que tu n'aies pas de maquillage, que tu aies un teint à peu près unifié, c'est la seule chose qui rend le regard un peu profond avec le mascara. Donc ouais, je dirais sans le mascara, le crayon pour les sourcils ou le Give Me Brow. Hein. Voilà, je pense que ouais. De quoi as-tu le plus horreur en make-up? Le produit que tu aimes le moins? Le produit que j'aime le moins? Le recourbe-cils. Alors là... Ou les faux cils, j'arrive pas. J'y pense jamais aux recourbe-cils et les faux cils, j'arrive pas à les poser. Donc, comme ça. Alors, ce sera peut-être une révolution pour moi en 2016, mais jusqu'à présent, les faux cils, c'est vraiment une grosse énigme avec un gros point d'interrogation pour moi. Quel est le faux pas dont tu as horreur de voir chez les autres? Trait de liner mal fait ou autre? Non. Ce que je déplore le plus, c'est celles qui ont vraiment le blush, le blush, voilà, la grosse trace. Le bleu jusque-là, mais t'as qu'une couleur, mais ça fait vraiment Madonna niçoise, quoi. Et encore, Madonna niçoise, c'est vraiment bien maquillé, quoi. C'est fait exprès. Ouais, c'est ça. Ou alors, ouais, comme je disais, le trait de fond de teint. Voilà. Plus de vidéos tutoriels, tout simplement. Oui, ma belle, en février. Comment fais-tu pour avoir des cheveux aussi beaux? Je pense que je leur fous la paix. J'essaye de moins les agresser. Là, je passe au low poo. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Un rangement maquillage. Je suis pas organisée encore assez au niveau maquillage. Là, je vous ai fait des palettes et vous avez vu à peu près. Mais sinon, en rangement maquillage, il me reste encore pas mal de boulot. J'ai pas encore tout ce que je voudrais. Donc voilà, ma belle. Marina qui me dit, j'ai pas de questions. Bah écoute, ma chérie, je suis désolée. Du coup, voilà, je t'ai notifiée quand même. Et je crois que c'était tout pour les questions, honnêtement. Mes beautés. Je pense que j'ai répondu à peu près à tout ce que vous aviez comme question. Donc voilà. Bah écoutez, moi ouais, je pense que c'est bon. Ça doit être bon. Voilà, je dois avoir répondu à un maximum de questions. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, hein, bien sûr, parce que... Voilà quoi. Donc, sur ce, cette vidéo se termine. Je vous embrasse énormément. Je vous remercie de votre soutien. Pour les nouvelles, bien sûr, je pense que vous aurez noté mon caractère un petit peu autodérision, rigolo, machin. Je suis une youtubeuse. Enfin, youtubeuse, voilà quoi. Je suis animatrice beauté, sans prétention, bien sûr. Et je suis comme vous. Toutes les filles sont belles. Donc, il faut un peu redorer votre blason et vous dire que avec un peu d'entraînement, vous avez les effets, en fait, qu'a Kim Kardashian dans son talk show, hein, je vous le dis tout de suite. Donc arrêtez de vous sous-estimer, croyez un peu en vous-même. Et puis j'espère que cette année 2016 en ma compagnie vous plaira. Pour celles qui débarquent, qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, tout ce que vous voulez. Je suis vraiment ravie de vous avoir dans ma vie. On est plus en plus nombreuses. Sébastien gueule de plus en plus parce que je passe du temps à vous répondre. Mais je m'en... Il va falloir que je fasse attention quand même, parce que si on grossit comme ça, il va commencer à vouloir le divorce. Sauf qu'on n'est pas mariés. Donc comment on fait dans ces cas-là? Vous pouvez me le dire? Donc bref, vous aurez bien compris que je vous aime, que j'ai hâte de faire plein, plein, plein d'autres vidéos avec vous. Et n'oubliez pas que la vie est belle en rose, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes chéris, ciao! Are you listening?